J'ai eu l'immense honneur d'être conviée à la journée d'intégration de l'ESAT, qui est pour moi une opportunité de découvrir l'immensité des formations proposées par cette grande école. Et j'ai eu aussi la grande surprise de voir que la communauté subsaharienne en Tunisie a répondu présente, et plus particulièrement ma communauté. Je suis vraiment très agréablement surprise de voir qu'ils ont un intérêt particulier pour la géomatique, l'aéronautique et surtout pour l'ESAT. Donc je voudrais remercier les fondateurs de l'ESAT d'avoir eu l'idée d'organiser cette journée et surtout de m'avoir convié à cet événement qui vise plus particulièrement la communauté subsaharienne en Tunisie. Je suis à l'ESAT Université pour la journée d'intégration, qui est une très, très, très bonne journée, une excellente journée. L'idée vient de l'ESAT. Et cette journée d'intégration permet à ce qu'on puisse vivre ensemble, partager les moments fraternels et connaître cet institut, cette université, voilà, dans le domaine de l'aviation. Donc, je suis très, très heureux d'être ici. Et je vous propose l'ESAT pour vos études dans le domaine de l'aviation et de la géomatique, de la topographie et bien d'autres domaines. Merci. Étudiant dans cette école qui est l'ESAT, l'école supérieure de l'aéronautique et des technologies, je suis ivoirien en première année du cycle ingénieur géomatique. Et en ce jour, nous sommes à la journée d'intégration de la communauté subsaharienne qui prend en compte toute la communauté de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, même l'Afrique du Sud. Donc à cette journée, l'école qui est l'ESAT fera la présentation de ses filières, de ses enseignants à toute la communauté subsaharienne dans le but de pouvoir faire un recrutement des étudiants. Donc à cette journée, nous aurons plein de panels concernant la présentation de l'ESAT proprement, les filières, les opportunités que cette école nous offre en tant qu'étudiants dans le monde professionnel, aussi en dehors du continent africain. Toutes ces possibilités seront mises sur table et discutées avec la communauté subsaharienne. Je suis aujourd'hui présent à l'ESAT, l'école supérieure de l'aéronautique, pour découvrir cet établissement qui ont pour la première fois eu à présenter une mission qui est leur journée d'intégration des étudiants et stagiaires subsahariens. Donc c'est une très belle initiative où nous avons eu à rencontrer des responsables qui ont des projets, des grands projets, des nouveaux projets, donc pour pouvoir améliorer la qualité de l'établissement.